نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح Explique-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors ne joue pas à celle qui ne sait rien. Tu es toujours en train d'écrire des emails à Nour. Tu es toujours en train de mentir. Tu es toujours en train de jouer avec Maria alors que tu sais qu'elle est malade. Bon, calme-toi un peu pour que nous puissions nous parler tranquillement. Et au moins commence par me dire bonjour. Je ne vais pas te dire bonjour. Pourquoi est-ce que tu veux que je me calme? Et dis-moi, si tes mensonges ne sont pas finis, pourquoi je devrais me calmer? Écoute, si tu es si fâché, je t'avertis, je m'en vais tout de suite, hein? Va-t'en tout de suite. Vas-y. C'est comme ça, alors? Explique-moi. Dis-moi ce que t'es en train de faire, allez. Mais je n'ai rien fait du tout. J'ai seulement envoyé cet email pour qu'il sache que je n'ai rien fait de mal, ni contre lui, ni contre personne, et que je n'ai rien planifié. Tu recommences à me mentir. Tu recommences, Mira. Tu as envoyé un email et des lettres d'amour à Nour, n'est-ce pas? Et Maria les a lues. Maria les a lues? Oui, moi aussi je l'ai fait. Et c'est à cause de cela qu'elle a quitté cette maison et ne reviendra plus jamais vivre chez nous. T'es fière de toi? Tu comprends? Tu comprends pourquoi je suis en colère maintenant? Je te jure que ce n'est pas ce que je voulais. Je te jure que cette fois je ne voulais pas. Mais bon sang, pourquoi cela m'arrive-t-il? Je ne le voulais pas. Mais dis-moi, de quelle matière es-tu donc faite? Tu es malade ou dérangée? Non, dis-moi, pourquoi tu entretiens autant de mystères autour de toi? Dis-moi pourquoi? Pourquoi? Tu sauras très bientôt pourquoi. Et tu comprendras tout. Parce qu'il n'y a rien à cacher, je te le promets. Bouh! Mon Dieu, tu m'as fait peur. Je t'ai eu. Tu ne t'arrêteras que quand j'aurai une crise cardiaque et que tu m'auras tué. Une personne comme toi ne peut pas avoir de crise cardiaque. Que veux-tu encore? Je veux demander... Allez, dis-moi, tu n'es pas triste que Yusra s'en aille? Parce qu'à moi, elle va me manquer. Elle nous mettait de bonne humeur. Je sais que tu voulais qu'elle devienne épouse de Hani, non? Je te dis d'aller dormir. Allez, va dormir. Va dormir. Je veux juste t'agacer encore un peu avant. Dis-moi, je le dirai à personne. Il n'y a rien à dire à ce sujet maintenant. Allez, lève-toi. Entre toi et moi, je suis contente qu'elle voyage. Mais je pense que si elle s'en va, c'est surtout pour fuir son histoire avec Annie. C'est ce que je ressens. Debout. Lève-toi. Allez. Accompagne-moi au moins. Allez, va. Viens me border pour que je dorme. Et quoi encore? T'es incorrigible. Allez, va-t'en. Je m'excuse si l'email que je t'ai envoyé a causé des problèmes entre Maria et toi. Ce n'était pas mon intention.
Bon alors, dis-moi, c'est quoi le but de cette rencontre? Qu'est-ce qui s'est encore passé? En fait, il y a quelqu'un entre nous qui révèle nos secrets, Amira. Parce qu'elle m'a envoyé un message disant qu'elle était navrée du problème entre Maria et moi. Comment? Mais qui va lui apprendre cette nouvelle? Et celui qui lui a dit, c'est sûrement où elle est. C'est ce que je voudrais savoir. Il y a quelqu'un qui contacte Mira et qui sait où elle se trouve. Et il vit ici. Mais personne ne me le dit et maintenant Maria fait ça. Que veux-tu dire par l'un de nous? Je comprends pas. J'en sais rien. Écoute, Nour, aucun de nous n'a intérêt à communiquer avec elle en secret. Nous tous ici voulons qu'elle et sa mère s'en aillent d'ici, et ça tu peux me croire. Quant à moi, si je savais où elle est, je l'aurais remise à sa place, crois-moi. Mais pourquoi tu me regardes? Crois-tu que je sais où elle est? Je suis la dernière personne à vouloir la voir. Je ne sais pas quoi dire. Suis-je la personne qui a fait ça? Que quelqu'un me réponde. Qu'on me donne une réponse. Attends, tu me regardes moi? Non, tu es complètement fou. Si tu penses que je ferais une chose pareille... Je vais te dire une chose, Fadi. Tu es la personne la plus apte à faire une chose pareille. Tu es celui qui a le plus d'intérêt à ce que Mira tourne autour de moi pour que tu puisses avoir Maria. C'est vrai ou pas? Ah mais t'es complètement fou! Ton cerveau ne fonctionne plus, là! Je veux qu'on me le dise! Qu'on me dise ce qui se passe! Je deviens fou! Je veux savoir qui lui donne cette nouvelle! Je veux savoir maintenant! Majd. Dis-moi, c'est toi? Madge, regarde-moi bien dans les yeux. C'est toi qui communiques les nouvelles à Mira? Qui, moi? Où pourrais-je la voir? Je ne le sais pas. C'est à toi de me le dire. Que veux-tu que je te dise? Que veux-tu de moi? Je n'ai rien à te dire, moi. Pourquoi tu me poses des questions pareilles? Dis-moi, Fadi. Écoute, Madge. C'est moi qui t'ai pratiquement élevé. Et je sais parfaitement quand tu es en train de me mentir, d'accord? Je le vois sur ton visage. Je t'écoute. Fadi, qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Tu es fou ou tu as recommencé à boire? Pourquoi est-ce que j'irai voir Mira? Hein, pourquoi? Et supposons que je la voyais, mon frère. Pourquoi la verrais-je? Pourquoi je le cacherais? Pour que mes frères et toi me détestiez, c'est ça? Mon petit frère, je ne suis pas fou. Et je n'ai pas recommencé à boire, tu le sais bien. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu es convaincu? Parle au moins. Parle, dis-le-moi. Pour que nous sachions comment faire. Aucun de nous doit faire cavalier seul. Que pourrais-je te dire? Oui, je l'ai vu et nous avons discuté. Mais je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Comment ça? Tu ne sais pas la raison. Elle est partie parce qu'elle voulait sa part de l'héritage? Tu ne lui as pas demandé? Oui, j'ai demandé. Mais elle ne m'a rien dit de plus que ça, Fadi. Comment? Je ne comprends pas. C'est comme je te le dis. Je n'ai rien compris non plus. Elle ne m'a rien dit de plus que ce que je suis en train de te dire maintenant. C'est tout. Écoute, Fadi. Ne révèle cela à personne. Particulièrement à nos frères. Parce que si tu le dis, tu vas vraiment me faire avoir des problèmes, s'il te plaît, hein? Tout ce qu'elle m'a dit, c'était que cette affaire allait s'éclaircir bientôt. C'est seulement ça qu'elle m'a dit. Il faut que je la voie. Non, s'il te plaît. Mais pourquoi? Je te dis que si tu en parles à qui que ce soit, je vais avoir des problèmes, et toi tu veux quand même la voir. Je ne peux pas te dire où elle est parce qu'elle m'a fait confiance. Tu veux me faire passer pour un gosse devant elle? Est-ce que ce serait bien?
Laisse tout tomber et concentre-toi sur moi, tu veux bien? Écoute ce que je te dis. En fait, ces choses ne vont plus marcher, ça ne va pas te nourrir. Par contre, il y a une solution superbe qui pourrait te convenir. Alors dis-moi, quelle est donc cette solution? Elle va nous apporter un grand succès. Et comment elle marche, cette solution magique, dis-moi? Attends, tu te moques de moi, c'est ça? Tu veux dire que tu ne veux pas d'argent pour tes achats, des voitures, des maisons et des villas? T'en veux pas? Oui, c'est sûr que je veux avoir tout cela. Chérie, je suis un excellent vendeur. Tu as le droit de plaisanter et pas moi. Je te jure, je suis sérieux, dis-le-moi. Je vais partager le travail avec ton père. Quoi? Il passe son temps à se plaindre d'être pauvre, que veux-tu faire? C'est bien ça le problème. Ton père ne se conduit pas bien et il ne vend que la moitié des marchandises qu'il possède. L'autre moitié n'est quasiment pas vendue, il les place dans un endroit qu'il loue et n'arrive pas à tous les vendre. Et c'est comme ça qu'il fait des pertes. Mais moi, je vais vendre toutes ces marchandises que ton père possède. Je serai compétitif au niveau des prix. J'ai aussi une idée supplémentaire et tu vas m'aider. Tu vas aussi tenir une expo-vente. Tu en prendras la charge. Une pour la galerie, l'autre pour les vêtements et les produits. On gagnera de l'argent, de même qu'un métier. Oui, tu as raison, Maillard. C'est la première fois que tu y penses. La première fois? C'est la première fois que je pense que nous réussirons. Je l'espère. C'est facile, dès demain, nous pourrons en parler avec mon père. Nous dirons d'abord à Maria de le convaincre qu'il doit continuer à faire ce qu'il fait, mais un peu moins. Tu comprends? Et commencer à anticiper sa retraite. C'est sûr. J'adore cette idée. Et tu sais ce que Maria m'a dit? Quoi? Qu'elle va donner tout son héritage à notre fils. Allô? Je t'ai dit que j'étais en route. C'est bon, j'arrive. Mon chéri, qu'as-tu mangé pour te mettre dans un tel état? Je te jure, je n'en sais rien, chéri. Mais depuis une heure, j'ai mal au ventre et j'ai fait un peu de fièvre. Les problèmes te rendent trop tendu. Ils se répercutent dans ton corps, chérie. J'espère que tu te rétabliras vite. Merci beaucoup, ma chérie. C'est pas mieux d'aller à l'hôpital? Non, non, ce n'est pas aussi grave. Les médicaments commencent à faire effet et je vais aller mieux. Je l'espère. Je te remercie, mon cœur. Tu es mon cœur, mon âme. Je t'aime, mon chéri. Félicitations. C'est vraiment bien. Et le lieu du local est bien aussi. Tout est fait avec bon goût, Fadi. Je voulais venir te rendre visite depuis longtemps, mais tu m'as dit que je ne devrais pas venir. Je t'en remercie, Nour. Tu vas accompagner Maria pour ses analyses. Qu'en penses-tu? Alors dis-moi, quel est le résultat? Je ne sais pas ce que Maria décidera. Nour, ne nous torturons pas. Pas de semblant devant elle. N'inventons pas d'histoire et restons calmes devant sa décision. Je vais faire ce qu'elle aura décidé de faire, Nour. Alors ne sois pas fâché contre moi. D'accord? D'accord. D'accord. Et je veux savoir comment elle va. C'est tout ce que je veux. Je ne sais pas, Fadi, si on avait du temps, nous. Nous pourrions devenir amis. Si je te demandais de lui transmettre mon bonjour, tu le ferais? Si cela ne te dérange pas, je ne voudrais pas t'embarrasser, Fadi. Ouais, je lui dirais. Ne pense pas que j'exagère. Mais c'est la première fois que j'ai l'impression qu'elle va partir très loin de moi.
Pardon, monsieur. Il y a une certaine Madame Salma dehors qui dit que vous avez un rendez-vous avec elle. Oui, fais-la entrer, s'il te plaît. Je m'en vais. Salut, Fadi. Bienvenue à toi, Salma. Ça va ? Ça va, comment tu vas ? Je vais bien, merci. Lui, c'est mon frère. Mon grand frère, Nour. Pardon, si tu es occupée, je reviendrai plus tard. Non, non, pas du tout, tu ne déranges pas. Salma, directrice d'IGO Immobilier. Soyez la bienvenue, madame. Merci, merci. Je connais toutes les compagnies ici dans les Émirats, mais je pense que celle-ci est nouvelle, parce que je n'en ai jamais entendu parler avant. Ce n'est pas bien grave. Pour tout vous dire, j'étais directrice d'une agence immobilière avant et cela fait un an que j'ai ouvert ma propre agence. Ma compagnie est modeste si vous la comparez avec vos entreprises et toutes vos affaires. Non, non, ne dites pas ça, non. Je ne voulais pas dire ça. J'espère que votre compagnie grandira et que vous aurez plein de succès dans toutes vos activités. Les compagnies grandissent vite au sein des Émirats. Et la situation économique ici est très favorable, surtout pour les nouvelles entreprises. Fadi sait très bien qu'il y a des compagnies qui opèrent au sein de cette région et qui ne sont visibles sur le plan économique, mais qui ne sont pas si petites comme vous le dites, madame. Et en l'espace de quelques mois, ce n'est pas étrange qu'elles arrivent à faire de l'ombre à d'autres compagnies de plus grandes envergures qui sont sur le marché depuis longtemps. On ne peut plus s'étonner de cela maintenant. Cela arrive de plus en plus souvent, ou c'est une chose qui est de plus en plus fréquente de nos jours. J'espère que la vôtre aussi. Vous êtes sûr que nous ne nous sommes pas déjà rencontrés avant ? J'en sais rien, peut-être que... Nour, je te donnerai des nouvelles. D'accord, Fadi. Bonne continuation, peut-être qu'un jour on pourra collaborer ensemble. Je l'espère. Oui, Nour, au revoir. Merci. Qu'y a-t-il ? L'atmosphère de ce bureau est très tendue, hein ? Non, ce n'est rien. Tout va très bien. Tout va bien. Et en passant, nous n'avions qu'un rendez-vous aujourd'hui. Mais je suis venue parce que tu me manquais et que je voulais te parler. Moi aussi, tu me manques, Salma. Et tu sais que tu peux venir me voir n'importe quand. Mais je voudrais bien savoir quand t'es si troublé ce qui te préoccupe. Un bon café ? Je te dis que je veux te parler d'une chose importante. Concentre-toi, s'il te plaît. Bon, dis-moi. Alors, j'ai déjà appelé Maria et je lui ai tout dit, d'accord ? Tout d'abord, tu diras que tu ne sais rien du tout de cette affaire. Elle et moi allons convaincre papa de la démarche. Je pense qu'elle lui parle déjà actuellement. Bon, je ferai ce que tu voudras. L'important, c'est que cela marche. Maman ne voudra pas l'accepter, c'est sûr qu'elle ne voudra pas. Que tu prennes tout d'un coup alors, tu sais ? On ne lui dira pas combien d'argent tu auras. Pourquoi pas ? Pour rien du tout, mon chéri. Imagine ce que fera ma mère quand elle saura que tu as une partie des profits. Que penses-tu qu'elle fera ? Bon, oublie, ça ne t'en fait pas. Maillard, tu comprends ce que je suis en train de te dire, hein ? Tu comprends ce qui va arriver, ma chérie ? Ça veut dire que j'aurai un partenaire, que je serai le maître de ma vie. Je vais devenir Monsieur Maillard. Et toi, tu seras la femme de Monsieur Maillard. Tu peux te calmer un peu et me promettre que tu ne vas rien dire à personne à partir de maintenant, hein ? D'accord. Mettons un peu de musique maintenant. Et sois contente, épouse de Monsieur Maillard. C'est vrai, papa, c'est comme tu l'as dit. Mais je peux te dire que Maillard est quelqu'un qui est laborieux. Je le sais très bien, il travaille avec moi. Pourquoi tu me dis ça ? Je le connais bien aussi. Même s'il travaille dur, il ne peut être un partenaire. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux ? Chacun doit rester à son niveau. Chacun a son statut ? Tu nous écoutais derrière la porte. C'est une habitude dont elle ne peut pas se débarrasser. De quel statut me parles-tu, voyant ? Cet homme est votre beau-fils, le mari de votre fille, et son offre est très raisonnable. Écoute, papa, il y a des produits dans le store qui doivent être absolument vendus. Bien sûr, ma chérie, parce que ton père est bien occupé. Occupé parce qu'il veut être plus jeune. Ce n'est pas le bon moment. Bon sang, bonsoir. D'accord. Mais il faut que tu comprennes que cet homme ne peut pas devenir notre partenaire. Il le veut par cupidité. De quoi est-ce que tu parles ? Quelle cupidité, Riab ? Ce jeune homme veut travailler pour améliorer son revenu. Et quand il aura des profits, notre fille va en profiter. Nous devrions le soutenir, voyons. Si
surtout ne dis pas un mot, maman. Souviens-toi. Bonjour, beau-père. Ta fille. Bonjour, papa. Ah, venez. Comment ça va? Soyez les bienvenus. Bienvenue. Comment ça va? Jeune. Boulgour, vieux, du mauve, et quoi d'autre? Depuis quand es-tu ici? Non, ne t'approche pas. Rentre chez toi. Je suis occupée pour le moment. C'est bon. Je suis d'accord pour faire un mariage. Est-ce que je n'ai pas dit à ta nièce de te le dire? J'ai changé d'avis maintenant. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et alors? Comment crois-tu qu'on pourra vivre ensemble si je sais que tu aimes ta défunte épouse plus que tu m'aimes moi, encore maintenant? Qui a dit ça? C'est toi, voyons. Bon, écoutez, Malak, mon épouse, paix à son âme, est décédée. Je sais. Et je sais aussi que tu l'aimes encore aujourd'hui. Malak, chaque personne a une place dans mon cœur. Tu y as ta place, elle y a sa place. Je veux t'épouser pour que nous puissions vivre une nouvelle vie. Je veux dire, ce que je veux, c'est finir le reste de mes jours avec quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Vraiment ? Alors, est-ce que tu veux toujours rejeter mon offre ? Non. Tu sais, ces examens m'inquiètent un peu. Pourquoi, Maria? Je n'en sais rien. Je le sens, tout simplement. Non, tout ira pour le mieux. Aujourd'hui, tout ne peut pas mal se passer. Je l'espère. Je peux te poser une question? Bah, si ça a quelque chose à voir avec nous. Je pense que t'es injuste. Fadi, je t'ai dit que je ne voulais pas parler de lui, s'il te plaît. Écoute, Maria, je te dis ça pour que tu saches ce qui se passe tout autour de toi. Et de plus, je t'ai promis que je ne te cacherai rien depuis longtemps. C'est pas exact? Exact. C'est Mira qui joue avec Noor. Quoi? C'est comme je te dis. Mira a quitté la maison pour vous séparer tous les deux. Tu sais qu'elle voulait toutes les nouvelles de Madge, de ce qui se passait chez nous? Alors Madge sait où elle se trouve. D'accord. C'est bon pour toi. Ah, salut, Mimi. Salut. Je suis content que tu me rendes visite. C'est une surprise, non? Ça va? Je vais être... Allez, viens t'asseoir. Non, 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 je suis un peu pressée. Madge, est-ce que tu ne m'aimes pas et est-ce que tu voudrais me blesser? Il est impossible pour moi de te blesser. Pourquoi tu dis ça? Fadi m'a dit que tu avais vu Mira. Oh, bon sang. Maria, je n'ai rien à faire avec tout ça. Je sais que ce n'est pas bien et que je te cache tout ceci, mais tu sais que ma relation avec Mira est différente de mes autres frères, alors Maria, s'il te plaît, ne le dis pas à Noor, d'accord? Tu peux? Mais je veux que tu fasses une chose pour moi. D'accord. Salut, Mira. Bonjour, pourquoi es-tu si en retard? Je suis navré, mais il y a quelqu'un que tu devrais voir tout de suite. Vraiment, tu m'as fait ça? Vraiment? Tu n'es qu'un gosse. Ne parle pas comme ça tant que tu ne sais pas ce qu'il y a. Maria a autant de droits sur moi que toi tu en as. Comprends cela.
Mira ne blâme pas Maj pour ça. C'est moi qui ai insisté. Je peux savoir ce que tu veux de moi maintenant? Noor, la maison, je t'ai laissé tout ton univers. Que veux-tu d'autre encore? Je viens te demander la même chose. Tu crois que je ne comprends pas pourquoi tu as fait tout ceci? Tu as quitté la maison pour que je me sente à l'aise. De qui crois-tu te moquer? Maria, je te l'ai dit. C'est bien pour cette raison que j'ai quitté la maison. Alors pourquoi tu lui envoies ce mail? Cet email était pour qu'il sache que je ne me suis pas sauvée et qu'il sache toute la vérité. Oh, juste pour ça? Ou alors tu voulais lui dire qu'elle te manquait, que tu l'aimes et que tu veux qu'il te revienne et peut-être provoquer une sorte de séparation entre nous deux? Écoute, je n'ai aucune envie de te parler de quoi que ce soit, merci. Je ne vais pas te laisser t'en aller. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Nous sommes en public. Arrêtez maintenant. Arrêtez de vous disputer. Si tu as quitté la maison pour moi et pour mon confort, alors pourquoi tu n'as pas pris ton argent, dis-moi? Pourquoi laisser cette affaire continuer entre nous et toi jusqu'à présent? Comme j'ai dit, je ne veux pas te parler de quoi que ce soit, ça ne te concerne pas. Ah, tu voudrais lui parler à lui, pas vrai? Je sais très bien à quoi tu penses, Mira, et ce que tu fais. Tu es en train de compter les jours pour que tu puisses le revenir et attends que je meure, n'as-tu aucun cœur? Ah! Maria! Maria! Mira, s'il te plaît, arrête, cesse de parler, rien ne compte pour toi. Quoi, c'est ma faute? Maria, Maria, je te l'ai dit, je ne veux plus en parler parce que j'en ai assez. Je ne veux plus me battre contre toi. J'ai tout quitté pour toi, mais que veux-tu de plus? Que veux-tu que je fasse encore, dis-moi? Je suis la méchante dans cette histoire. Je ne te pardonnerai pas. Même dans ma tombe, je ne te pardonnerai pas. Viens, on y va. Mais quelle poisse! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est devenu tout noir? Dis donc, ça a l'air délicieux. Comment? Tu ne vois pas? C'est tout brûlé. Je t'avais dit de le tirer du four. Je me coiffais les cheveux, c'est pas si grave. Il n'est rien arrivé, ce gâteau est très Mais beau. Bien sûr, c'est uniquement parce que je l'ai retiré au dernier moment. Mais qu'en penses-tu? Tu l'as senti? Ça sent pas bon. Si, c'est bon. Le plus important, as-tu contacté les personnes? Elle m'a dit hier qu'elle allait venir demain, donc aujourd'hui, pour prendre le thé. Peut-être bien qu'elle dort. Oh, mais comment ça? L'heure de son vol approche. Allons-y. Bon, je le mets dans un sac. Oui, fais vite. Majtar accompagné? Il n'est pas rentré? Naya, je ne veux voir personne maintenant. S'il te plaît, laisse-moi seule, tu veux? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pour qu'ils nous entendent. C'est pas vrai. Mon Dieu, tu ne devrais pas faire ça. Arrête! Pour qu'ils puissent nous entendre, je te le Arrête. Dis. Arrête! En fait, c'est pas mieux que de rester au soleil? Je ne comprends pas pourquoi tu voulais la voir. Tu la connais très bien. Je ne voulais pas partir sans lui avoir tout dit. C'est une bonne chose? Est-ce que ce que tu as fait était bien, Maria? Je voulais qu'elle sache combien elle m'a fait mal. Combien je la hais. Je veux qu'elle sache qu'elle est la plus grande aimanteuse que j'ai pu connaître de toute ma vie. Je voulais qu'elle sache que je l'ai démasquée dès le départ et que j'avais tout compris. Qu'elle n'a rien pu me cacher. Mais le problème, c'est
Que tout ça épuise ton énergie et c'est en vain. Et ce n'est pas le moment. Tout ça te dévore de l'intérieur. Tu n'aurais jamais dû y aller avec Madge. Mira se sert de lui. Elle se sert de toi, Maria. Tu ferais mieux de l'oublier, c'est tout. Fais ta route et oublie-la. Comment veux-tu que je l'oublie? Elle m'a volé mon Nour. Nour et toi, vous alliez rompre tôt ou tard de toute façon. Pourquoi tu dis ça? Tu ne peux pas oublier Nour et... tu es encore amoureuse de lui. Maria, tu te moques de toi en premier lieu et tu te moques de moi également. Si tu m'avais écouté, Mervat, tu l'aurais appelé avant de venir. Et pourquoi tu ne le fais pas, toi? Je voulais voir Yusra avant qu'elle ne parte. Ce n'est pas l'heure du vol, hein? Si Lathan n'est pas parti, il ne devrait pas être à l'intérieur. Oh, qui sait, ma chère sœur? Peut-être qu'ils sont allés manger un bout. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive? Allons, Amira, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'as-tu? Yusra! Elle est partie! Partie? Partie où? Je l'ai laissée endormie à l'hôpital hier soir. L'hôpital? Hein? Mais pourquoi elle dort à l'hôpital? Oui, mais je vois, je te parle! Il aime tellement Yusra! Mais comment ça? Mais racontez-moi tout! Qu'est-il arrivé à Yusra? Yusra est partie! Elle est morte! Morte! Fadi, attends un instant. Fadi, franchement, je m'excuse, mais j'étais en train de passer devant la chambre de Maria quand je l'ai entendu dire que Mira s'était servie de Madge et de Maria. Toutes mes excuses, je ne voulais pas écouter, mais j'ai entendu en passant. Que voulais-tu dire par ça? Que Mira s'est servie de Madge? C'est quoi? Je pense sincèrement que Madge a changé maintenant, mais... Madge a rencontré Mira, pas vrai? Que Dieu vous donne la patience. Comment l'avez-vous su? Ils ont appelé mon frère tard dans la soirée. Mais alors vous n'avez pas pu lui dire quoi que ce soit? Il a avoir envie ni rien du tout. Il n'y avait rien du tout que nous aurions pu faire. L'accident s'est produit sur une route isolée. Quand une voiture s'est brusquement renversée sur eux, pendant longtemps personne n'est passé par là. La première voiture qui est passée a appelé la police et l'ambulance qui sont venues. Ils nous ont finalement appelés et voyez, il faisait déjà jour. Je pensais qu'elle était avec ses amis. Elle ne répondait pas à son portable. Je pensais qu'elle était heureuse avec ses amis. Elle est partie. Hier encore, elle était venue me voir et elle m'a dit de ne pas me fâcher parce qu'elle allait partir, qu'elle allait revenir et qu'on allait rire comme on le faisait avant. Je ne savais pas qu'il lui arriverait malheur. Elle était allée dire au revoir à ses amis. Elle ne voulait pas voyager. Yusra est partie. Partie. Je n'arrive pas à y croire. Dites-moi, je ne comprends pas une chose. Celui qui l'a vu ne l'a pas aidé. Tout ce que je sais, c'est que le conducteur est la cause de l'accident et Yusra était assise à sa droite, mais la voiture s'est renversée et on les a emmenés à l'hôpital. Alors lorsque nous sommes revenus de l'hôpital, il était déjà en salle de réveil. Mais qui était-ce? Cette maudite Salama! Alors c'est qui? Vous l'êtes très certainement, on l'a tué. Oh, tout puissant, aie pitié de nous. Assez, ma chère. C'est bon, ne pleurez plus. Assez. Que Dieu vous garde. Ça va aller. Que Dieu vous garde. Ça va aller. Salut, Fadi. Oui, je suis chez moi maintenant. Oui, c'est d'accord. On peut déjeuner ensemble. Mais à vrai dire, je me sens un peu fatiguée aujourd'hui. Que dirais-tu de prendre un sandwich et de venir ici, hein?
N'importe quoi, j'en sais rien. Tu sais ce que j'aime bien manger. Écoute, Fadi, laisse-moi te dire. Fais un petit tour avant d'arriver. Je voudrais aller prendre une douche, d'accord? Viens pas directement. Oui, à plus. Hani, mon amour, mon petit cœur, ouvre les yeux. Oh. Tu ne veux pas manger? Mon amour, quelle heure il est? Pourquoi surveiller l'heure? Oublie ça. J'ai des rendez-vous importants, ma chérie. Non, tu n'iras pas au rendez-vous aujourd'hui, oublie ça. Pas de travail et ne quitte pas la maison. Tu étais fiévreux durant toute la nuit. Tu as halluciné également. Comment tu te sens? Pourquoi surveiller l'heure? Oublie ça. Bien chérie, assieds-toi et mange, je t'apporte un cachet. Hein? Je ferai tout pour nous. همسة روح